Salut à tous, voici 8 points qui me semblent importants de vérifier lorsqu'on remplace la batterie de son véhicule. Point numéro 1. Votre batterie est-elle déchargée ou à remplacer ? J'entends souvent dire « j'ai laissé la lumière allumée » ou « j'ai laissé l'autoradio en route pendant que je passais l'aspirateur, du coup j'ai changé ma batterie ». Dans ces cas-là, la batterie est seulement déchargée et c'est dommage de la changer alors qu'elle nécessite simplement d'être chargée. Les batteries ne sont effectivement pas données, il vaut mieux essayer de les garder le plus longtemps possible. En général, les batteries durent au moins 5 ans. Dans tous les cas, essayez de la recharger avec un chargeur spécifique avant de la remplacer. Dans mon cas, j'en suis à 8 ans, ce qui est plus que raisonnable. Je vous montre comment connaître l'état de charge de votre batterie en fonction de sa tension. Pour ça, je prends un multimètre. Là, il fait voltmètre et ampèremètre. On le met en voltmètre. Pour le mettre en voltmètre, on met la fiche noire sur le COM. Et la fiche rouge sur V. Ensuite, je le mets en VDC, parce que c'est une tension continue qu'on mesure, et non une tension alternative. Borne plus rouge, borne moins noir. Et là, je lis 8 volts. Voici un tableau qui indique l'état de charge de la batterie en fonction de sa tension à vide. 8 volts, je suis à moins de 10% de charge, donc ma batterie est complètement déchargée. Si après une charge avec un chargeur, la voiture ne démarre toujours pas ou que son niveau de charge reste faible, il est temps de la remplacer. C'est aujourd'hui mon cas, ce qui nous amène au point numéro 2. Débrancher la borne moins en premier et la rebrancher en dernier. C'est uniquement une question de sécurité contre les courts-circuits de la batterie. J'enlève le moins. Supposons que je veuille faire un court-circuit. Ma seule solution, c'est de connecter la broche moins à la broche plus. Mais là, la broche moins, elle est toute seule, et la broche plus, elle est reliée à quelques câbles rouges, c'est tout. Donc ma seule solution, il faudrait que je fasse ça. Tchac ! Il n'y a pas d'autre possibilité. Supposons maintenant que je débranche la broche plus, et que je veuille faire un court-circuit. Bien entendu, la broche plus est toute seule, il faut que je la relie à la broche moins pour faire un court-circuit. Mais sur cette voiture, et sur la quasi-totalité des voitures, le moins est relié au châssis. Donc ça veut dire que pour faire un court-circuit, j'ai toutes les possibilités de toucher la broche plus, et le châssis, la carrosserie, etc. Ce qui en fait beaucoup plus. En conclusion, on débranche la broche moins, parce que finalement, statistiquement, j'aurai beaucoup moins de chances de faire des courts-circuits que si je débranche la broche plus. Point numéro 3. Respecter les caractéristiques électriques préconisées par le constructeur. Bien entendu, les dimensions physiques doivent être respectées pour que la batterie rentre dans son logement. Prenez garde à la position des bornes plus et moins, mais aussi à leur taille. En plus de la tension nominale qui est de 12 volts, vous trouverez la capacité en ampères-heure et le courant maximal qu'elle peut fournir en ampères, soit dans le manuel de votre voiture, soit en regardant l'étiquette de la batterie d'origine ou dans différents centres auto. Ce qui est important est de prendre une batterie qui a des valeurs en ampères-heure et en ampères supérieures ou égales à celles d'origine. Dans mon cas, la batterie d'origine avait une capacité de 52 A et un courant maximal de 500 A, nommé aussi courant de démarrage. La nouvelle ayant une capacité de 60 A et un courant maximal de 540 A, elle convient parfaitement. Point numéro 4. Chargez votre nouvelle batterie. Donc voici la batterie neuve. Alors avant de la mettre en place, c'est bien quand même de contrôler sa tension. J'ai 12,73. Je suis à 100%. Alors pour information, quand j'ai acheté cette batterie, je l'ai mesurée à 12,5 en magasin. Donc elle était à 80%. Vous allez me dire, oui, mais la voiture, si elle démarre, elle charge la batterie. Mais la voiture charge la batterie de manière très rapide. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet Peuker, qui dit que plus on charge une batterie vite, moins elle se charge. Et c'est pareil pour la décharge. Si vous déchargez une batterie très vite, genre pour démarrer, etc., vous aurez moins de capacité que si vous la déchargez lentement. La capacité est ici, 60 A/h. La batterie est capable de débiter 60 A pendant 1 heure, mais aussi 6 A pendant 10 heures, 600 mA pendant 100 heures. Mais en fait, plus on s'approche de courants élevés, ici 540 A, c'est le maximum, moins en fait on aura d'énergie restituée par la batterie. Donc encore une fois, quand vous achetez une batterie, mesurez sa tension, et si vous n'avez pas le maximum, chargez-la avec un chargeur comme celui-ci par exemple, ou un autre qui charge lentement les batteries. Une batterie, pour qu'elle soit chargée à 100%, quel que soit son type, il faut la charger en 10 heures. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter, quand elle est complètement déchargée, 6 A pendant 10 heures pour avoir 60 A/h. Maintenant, je peux installer la batterie dans la voiture. Point numéro 5. Bien fixer votre batterie. Au contrôle technique, la mauvaise fixation de la batterie entraîne un défaut mineur, c'est-à-dire sans obligation de contre-visite. Par contre, s'il y a un risque de court-circuit, le défaut devient majeur, avec obligation de contre-visite. On regarde qu'elle ne bouge pas. Voilà, elle est bien fixée à la voiture. Point numéro 6. Vérifier l'absence de fuite de courant. Je relie la borne plus. Je relie pas la borne moins tout de suite, parce qu'avant de brancher une batterie sur une voiture, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder qu'on n'ait pas de courant de fuite. C'est-à-dire qu'en fait, quand la voiture est complètement arrêtée, fermée au repos, c'est bien que la batterie ne se décharge pas. Alors pour mesurer les courants de fuite, on mesure déjà un courant, donc on se met en série. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on branche pas la broche moins de la batterie au connecteur moins. C'est tout simplement parce qu'on va insérer un ampèremètre entre les deux. Donc je reprends ici mon multimètre. Là, la différence,
c'est que j'utilise pas l'entrée tension, mais j'utilise ici l'entrée courant, ici 10 ampères, et la broche comme c'est commun, on la branche toujours pour faire les mesures. Je prends le plus gros calibre, c'est-à-dire 10 ampères, parce que je sais pas ce qui va se passer au niveau de la voiture, on met le calibre maximum. Et on va connecter l'ampèremètre en mettant ici le calibre 10 ampères. Je relie la broche plus de l'ampèremètre ici. Et ensuite la broche moins de la batterie. Alors, pour faire ce test là, il faut que la voiture soit complètement arrêtée, fermée. Là, j'ai une portière ouverte et j'ai le plafonnier allumé. Donc ce qui me fait 840 mAh, si on fait le calcul, à 60 Ah, on va dire à peu près 1 ampère. En 60 heures, ma batterie est vide. Je vais fermer la portière et on va regarder la différence. 130 mAh. Généralement, si vous avez un courant de 100 mA sur une batterie de 60 Ah, on fait le calcul, vous allez avoir une décharge qui va se faire à peu près un mois. Là, j'ai 130 mA, ce qui peut paraître beaucoup. Cependant, je connais cette voiture et je sais qu'elle a un mode basse consommation qui s'active au bout d'une demi-heure. Je vais pas faire le test, mais au bout d'une demi-heure, ce courant va passer à moins que ça, à peu près 20 à 30 mA. Qu'est-ce que c'est que ce courant résiduel ? Il alimente les éléments qui doivent rester sous tension lorsque la voiture est fermée et arrêtée. En particulier et principalement même le récepteur de la télécommande de votre bip voiture. Mais aussi l'antidémarrage ainsi que la mémoire de certains autoradios. Si vous avez un courant de repos qui est sensiblement plus élevé que ça, c'est que vous avez une fuite dans votre voiture et que votre batterie va se décharger trop vite. Donc il faudra investiguer en regardant les fusibles, etc., un par un, pour voir où se trouve la fuite. Généralement, les fuites, on les trouve en premier lieu au niveau de l'autoradio ou au niveau de la lumière de coffre ou du plafonnier, chose auxquelles on ne pense pas forcément. Donc là, au niveau du courant de fuite, c'est bon. Je vais pouvoir brancher complètement ma batterie en reliant la broche moins. Point numéro 7, vérifiez que votre batterie se charge lorsque le moteur tourne. Donc là, je vais remettre mon voltmètre. Alors très important, là vous êtes en ampèremètre, ne surtout pas relier les deux broches au niveau de la batterie parce que l'ampèremètre c'est un court-circuit et à ce moment-là vous allez fusiller très probablement votre multimètre. Donc on remet bien la borne ici au niveau du voltmètre. Je le relie à la batterie. Maintenant je vais pouvoir démarrer et on va regarder ce qui se passe au niveau de la tension. Vous voyez ici, la tension est montée jusqu'à 14.3. Ça veut dire que oui, la batterie se charge. Généralement, il vous faut entre 13.8 et 14.4. Point numéro 8, réinitialiser les équipements qui en ont besoin. Effectivement, après le remplacement de la batterie, votre véhicule aura probablement perdu l'heure, les stations radio et d'autres réglages, comme dans mon cas où les positions hautes et basses des vitres électriques sont perdues. Dans ce cas, je dois descendre et remonter les vitres au maximum afin qu'elles refonctionnent correctement. Pour éviter de refaire ces réglages, il existe des systèmes très peu coûteux qui permettent de maintenir une tension suffisante lors de l'intervention. Ils se branchent sur la prise allume-cigare, sur la prise OBD2 ou directement sur l'écosse de la batterie et fonctionnent à partir d'une pile ou d'une batterie auxiliaire. Personnellement, je n'en utilise pas et préfère refaire les réglages ensuite. Cette vidéo est maintenant terminée, cette liste n'est bien entendu pas exhaustive car les sujets concernant les batteries sont vastes et nombreux. J'espère cependant qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, à la commenter ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels!